Guys, welcome back to my channel. Pour cette deuxième vidéo du soir, on va parler foot encore. Tu sais, c'est le moment de parler foot. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé foot. Ça fait 6 mois. Donc là, on parle foot. On est bien. Ligue des Champions. Je vais vous présenter quelques maillots que je vous avais déjà fait une vidéo, mais peut-être que des gens l'ont pas vu. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer des vidéos de foot, de vous montrer des maillots de foot, sachant que l'Aspic s'est qualifié contre. Et pour cela, je vais vous montrer des petits maillots de foot que j'aime bien. Il y a pas mal de maillots, sont faux, pas un ou deux, je crois. Un premier maillot que j'ai eu, que je kiffe. C'est un maillot d'Arsenal. Il y a pas mal de temps, c'est sûr. C'est un vrai maillot. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, Nike. Je crois même qu'il y a le truc Nike là. C'est un vrai maillot de l'époque que je kiffe. C'est un petit peu bon. Tu sais, la coupe elle est un petit peu bon. C'est pas comme maintenant, tu vois, c'est un peu plus large. Mais je kiffe. On se tient longtemps, les amis. Mais bon, y'a personne derrière, hein, par contre. Y'a personne derrière. Mais j'aime bien. Moi j'aime pas trop quand il y a des gens derrière. Ensuite, je vais vous montrer peut-être mon maillot préféré quand j'étais plus jeune. Même moi, c'est mon maillot préféré, mais il est beaucoup trop petit. C'est quand j'avais 10 ans. Mais je kiffe la couleur et tout. C'est un maillot. Et c'est là où je trouvais que le Barça, ils avaient les plus beaux maillots, c'est quand il n'y avait pas de sponsor. C'est celui-là. C'est un de mes plus beaux maillots, je trouve. Je crois que c'est la tenue extérieure ou la troisième tenue de Barcelone. Enfin, les Tunisiens, ils sont chauds. Ils ont même mis le truc, c'est un faux maillot, je crois. Mais le design, ils ont même mis le truc ici, LFP et tout. Pas LFP, je crois. Si, LFP. Avec derrière, le poste, tu passes. Pour cette vidéo et la salle d'avant, j'ai mis un fond un peu plus. En fait, c'est juste mes rideaux derrière, mais je me suis dit ça peut être sympa pour la. C'est un peu plus sympa, peut-être, je sais pas, dites-moi si vous aimez bien. Comme ça, ça fait genre direct, tu vois, c'est plus près et tout. Ensuite, un autre maillot du Barça. Pas forcément à l'époque, Barça, c'est l'équipe qui dominait. Hein. Une couleur que j'aime beaucoup aussi. J'ai même un maillot du sud de la Tunisie.
ce maillot il est bien dégueulasse. Enfin, il est beau, mais c'est au niveau de la couture et tout, les couleurs, c'est pas du tout ça, quoi. J'ai pas beaucoup de mailles, enfin j'en ai pas mal. Normalement j'en avais au moins 42 plus, mais je les ai jetés malheureusement. Mais voilà, je vous ai montré une partie de. Bah, je vais aller un peu rapidement, je suis désolé. On va faire un petit peu de tapping. Pendant ces 2 minutes qui restent. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, là, je vais vous faire pas mal de vidéos de foot hein, avec les résumés. Ça commence déjà même pour demain. Je vais vous faire un petit résumé de Bayern Barcelone ce soir. Demain, pardon. Et samedi de City Lyon. Je vous ferai un résumé. C'est super cool. Et puis voilà, ça me fait plaisir d'avoir des matchs de foot. Des matchs de foot, ça fait super plaisir d'avoir ça. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de match de foot perso, donc ça me fait un plaisir. Et les Spics, ils ont bien joué, hein. Ils ont franchement. L'Atletico, ils m'ont vraiment déçu énormément. À part quand Joao Félix est rentré, c'était un petit peu mieux. Mais sinon, c'est très très compliqué. Et le pot je vais récompenser. Après je pense que là on doit gagner normalement. Paris doit se qualifier, mais bon attention. Cet entraîneur, l'entraîneur de cette équipe est très très bon, il est très jeune en plus. Il a 33 ans je crois, donc ça va être compliqué. C'est vrai que moi j'aimerais bien me prendre un maillot du Paris Saint-Germain, mais ça coûte cher les maillots, ça coûte au moins 80 balles. Mais c'est vrai que peut-être j'aimerais en acheter un parce que le maillot cette année il est magnifique. Le nouveau maillot de Paris. C'est le plus beau maillot que j'ai vu de ma vie de tous les temps. Non, pas tous les temps, mais franchement, c'est l'un des plus beaux maillots que j'ai vu. Il est magnifique, il rend tellement bien en vrai. C'est un gris à la télé, en tout cas, il rend parfaitement bien. Et c'est magnifique. Alors,